non vengono dall'arma dei carabinieri. La polizia, Foucault ci insegna, nasce come struttura civile. Polizia viene da policy. Idéologie ne signifie pas simplement imaginaire abstrait, mais signifie Grazie, ottima traduzione. une structure Grazie. concrète qui est agie par des hommes et des femmes, des personnes qui viennent d'une expérience, elle aussi, qui est elle aussi politique. De la police signifie politique, polis, la vie de la ville, la vie urbaine. Et donc, même l'idéologie a une structure matérielle dans la police, dans la ville, non? Dans la politique. O quando lui parlava della P2, Même loro, Daniele, faisait référence alla massoneria italiana. facilmente quando noi italiani, soprattutto, ma anche non italiani, sentiamo parlare della P2 e non facciamo della controinformazione, pensiamo che si stia facendo dietrologia. All'Italia il y a un peu la tendance à faire de la diétrologie, une Del sorte d'interprétation de complottismo. l'arrière-plan, une interprétation des arrière-plan, de ceux qui trament dans l'ombre. Ma in realtà Un la complottisme, un complot. esiste così come la resistenza a volte va in clandestinità e fa la guerriglia da quella adesso comincia la guerriglia civile, adesso non tutto quello che era legale prima. Ora è legale. Una mia amica giornalista ha preso il foglio di via da Roma perché si è presentata con un cartello davanti alla macchina, è riuscita a rompere il cordone di sicurezza quando è arrivato Trump a Roma. È stata mandata via da Roma come una pericolosa sovversiva. Un journaliste à Rome a été expulsé de la ville, expulsé juridiquement, d'une façon judiciaire de la ville, car elle avait manifesté contre la visite de Trump. Elle avait réussi à briser la protection des agents du président américain et elle a gagné donc un visa E dunque d'expulsion. la P2 Et donc la nel nazionalité. 1973, che io ho fatto le mie prime azioni politiche nelle manifestazioni, io nasco sul golpe in Cile, io avevo 15 anni, ho cominciato a fare le scuole superiori e io c'era la trilateral. Adesso c'è un'altra roba che io è solo le grandi lobby che organizzano l'azione non visibile del potere costituito, qualsiasi esso sia. Le pouvoir s'organise Quindi, d'une poi façon la clandestine aussi, mais puissante. Donc il y a des lobbies, des groupes de rassemblement financière et politique qui agissent dans l'ombre. E quindi organizzare una resistenza di ritorno allo status quo è molto complicato, anche se io raccolgo fino in fondo la provocazione, chiamiamola che dice lui, la verità, no? Dice che noi siamo tutti un po' fascisti quando ce la passiamo male, siamo tutti un po' reazionari quando ce la passiamo male. Le donne che subiscono violenza dai mariti e dai compagni a volte non vanno via perché non ce la fanno, non solo perché hanno un problema economico, ma perché è difficile alzarsi una mattina e confessare a se stessi che tu dormi da 20 anni con un mostro, oppure con uno che ti sembrava un angelo e che tu non sei stata capace di vedere, quindi. E non capisce la ultima. La femme, c'est l'ensemble, même les femmes qui sont des victimes. Il a dit quelque chose avant, toute Oui, personne. que toute personne, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des problèmes, non, devient un peu fasciste. Non, un peu fasciste. C'est-à-dire, accepte l'oppression, accepte la violence, accepte les abus qu'ils subissent. Et donc, Anna a fait l'exemple des femmes qui sont d'une façon ordinaire, abusées. Dans la famille, par les maris, si je veux dire, par les époux, non? Désolé, mais
elles finissent par accepter, non, cette ordinarité. Ça vient des histoires personnelles aussi. Ils ont été battus par leur père aussi, souvent. Oui, mais oui, on bat un enfant, non? C'est-à-dire la structure freudienne était typiquement celle où je désire qu'un autre vient battu, non? Et donc je désire que moi-même, si je me mets à la place de l'autre là, je suis battu aussi, non? Par exemple. Non, je parlais des scènes, en fait, et la scène freudienne. E dunque il tentativo di sottrarsi allo status quo, la resistenza che si fa, è importante che viene supportato da delle contro sovrastrutture. Donc pour faire une résistance efficace, no? C'est vraiment important que la résistance aussi ait des superstructures, no? Pour rinforzare l'attività della resistenza. E chiudo con un aneddoto di quelli che sono in passaparola storici e mi riallaccio per l'ultima volta a quello che diceva Biacchessi. Pare che quando dopo il Biennio Rosso in Italia 1919-1921 i dirigenti dell'allora piccolissimo Partito Comunista Italiano dissero a Lenin che eravamo pronti in Italia, Lenin chiese quanti militanti comunisti c'erano nella polizia e pare, ma è proprio un aneddoto, veramente un passaparola, che la risposta fu scandalizzata. Ma come? Nel libro bianco sulla legge reale fatto dal centro di documentazione Luca Rossi, che è un gran bel testo di controinformazione su come si è strutturato, cioè voglio dire, come si è continuato a strutturare lo Stato fascista mentre noi pensavamo di essere cittadini della Repubblica Italiana, che diceva mio nonno, nasce sotto la bandiera bianca e gialla e non partecipò allo Costituente, lui era un grande giurista. Insieme ai prefetti, prima di mettere i prefetti, ci fu l'epurazione di 8.000 poliziotti, che erano tutti quadri nella polizia, sapete che vuol dire? E noi adesso stiamo in mano al SIULP, che non è stato capace nemmeno di fare, ma io non dico una controindagine, ma quantomeno di cancellarsi dall'albo, per dire io non voglio essere, non il mio nome, no, invece. Quindi questa è la situazione. Ora secondo me noi dobbiamo tenere presente queste due questioni, che esiste una complessità della natura umana che fonda la sua radice nelle relazioni, probabilmente a partire da quella primordiale, ma io non sono in grado di entrare in merito di questo e non lo faccio, e però che si costruisce però dentro un processo continuo di ristrutturazione del potere, che prende anche, no? E poi ti restituisce una serie di cose. E secondo me resta insuperato come punto di riferimento teorico e umano per l'implicazione che ha avuto Michel Foucault, che ha fatto secondo me un grande lavoro su questo e ci lascia una grande eredità che secondo me non è stata ben usata, perché noi lo abbiamo usato non per cercare ancora, e lo dico parlando in prima persona, ma per avere conferma di quello che facevamo. Io sono andata avanti anche perché ho letto sorvegliare e punire e ho detto, ah, ma allora noi abbiamo ragione. Ma lì si parla di ben altro che non di una struttura repressiva. Grazie. Da sorvegliare e punire, per esempio, posso? Qui, Anna, terminé en citant Michel Foucault, sorvegliare e punire, mais dans une façon différente de la façon habituelle, donc c'est-à-dire Michel Foucault est souvent considéré comme un théorique du pouvoir, mais dans Sorveiller et punir, par exemple, il y a aussi une théorie du contre-pouvoir qui est problématique car la structure des relations humaines, de la nature humaine, nous engage aussi à une négociation permanente avec notre structure idéologique, notre culture, notre projection vers une activité, par exemple, à savoir l'activité de la résistance, qui nous déplace du contexte ordinaire de notre vie quotidienne. Et donc, à ton avis, Anna, il faudrait relire Michel Foucault d'une façon pas
comment dire, pas ordinaire, non pas coutumière, mais d'une façon qui accueille les instances les plus avancées, les plus révolutionnaires, d'une pensée qui nous invite à nous déplacer de notre contexte de référence pour pouvoir réévaluer le contexte où les autres, où les peuples, où les masses se redéfinissent. Et nous avons peur, nous avons peur. En général, c'est très peu les gens qui sont capables de pouvoir faire ça. Parce que la majorité des personnes ont peur de bouger. Hanno paura di spostarsi, di ricentrarsi, ovviamente. Per trovare la verità, oui. C'era Antonello, Claire et Enrico. Tu es la police, c'est non? Okay. Je voulais savoir une petite chose. La voix du peuple en Argentine, c'est le taxiste. Ah, oui. Chaque fois que j'allais faire l'Argentine et que je parlais, je allais de l'aéroport à la ville, le taxiste me donnait la température. Et donc la phrase c'était, bon c'est bien, ils sont arrivés, on va avoir de l'ordre maintenant, les choses vont être claires. Et la deuxième c'est quelque chose, ils ont fait quelque chose. Pour qu'ils soient arrivés là, ils ont dû faire quelque chose. Voilà, ça c'était, et ça c'est la voix du peuple. Ça c'est vraiment... C'est le peuple sur le taxiste. Il représente juste... Mais non, on aura l'ordre maintenant. Par rapport à cette vision de dictature, j'ai quelques aphorismes de Bono. Sospiro di un dittatore. Come posso agire intelligentemente se sono stati dei cretini conferirmi il potere? In ogni accoppamento di folla c'è sempre un pizzico di ingenuità e un pizzico di fanatismo. Un dittatore sa bene che 10 uomini approvano ossequiosamente, 1000 applaudono calorosamente e 100.000 acclamano istericamente. Tutto spiega tutto. I dittatori sono un po' come quei neonati senza pannolini che il popolino è impaziente di prendere in braccio. Bellissimo. In più, en parole plus courte, je pense que tout est expliqué. Merci, merci Jocelyne, merci Bruno. Et c'est Bruno. Antonello. C'est de qui compte? Brevemente. Bruno Magrini. Ah, ecco, oui, sì. Tu veux faire une petite présentation? Ah oui, alors c'est Francesco qui s'occupe des aphorismes de Bruno, che è deceduto nel 2003 e che adesso continua il passaggio, il testimone di Bruno per parlare dei suoi aphorismi. Che parla di... Allora, c'è il primo... Sì, il primo che è un ébauche. Perché ci sono tanti temi, ha cominciato con l'abitudine e pigiama. Pigiama. Ma j'espère que je comprends, vas-y. J'étais un joueur de football en Italie. Ah. Et en fait, c'est Marie, l'époux de madame Jocelyne. Ah, et donc, il était puis entraîneur, mais. Quand il est venu à Paris, bon, il est un écrivain. Ouais. Ça a toujours été sa passion, aussi, il était joueur de foot. De former, pour former les gens, ouais. À la vie. Et donc, il a décidé, donc, sa femme continue. En fait, reprend tous ses écrits qui ne sont pas oubliés. Hein, et, d'accord. Comme vous avez entendu, très très... Oui, mais on a dit, je sais pas compris. Ah oui, parce que... Il faudra traduire. En français, c'est en italien. Ah oui, en français. Alors en français, soupir d'un dictateur. Comment je peux agir intelligemment si ce sont des crétins à me confirmer le pouvoir? Voilà, ça explique pourquoi une masse...
Alors, un dictateur, c'est que 10 hommes approuvent obséquieusement, 1000 applaudissent chaleureusement et 100 000 acclament hystériquement. Voilà, c'est l'effet masse. L'effet masse qui fait. La psychologie des masses du fascisme. Non, à propos de ça. Madame avait posé la question de, en ce moment, qu'est-ce que veut dire le fascisme et antifascisme. Oui. Et c'est une grande question parce que antifascisme, tout est désigné. Mais oui, non, mais je crois que tu m'as pas donné la parole ou tu m'as pas inscrit, je ne sais pas, mais moi j'ai deux questions. Ça fait une heure qu'on tourne. On prend la parole. Ah, on ose, d'accord. On entend en résistance contre le pouvoir. Il y a un principe qui s'est désigné là. D'accord. On tourne autour de, on ne peut pas continuer comme ça, à utiliser un terme qu'on n'a pas défini. Le fascisme, jusqu'à présent, ici en tout cas, n'a pas été rappelé une définition suffisamment concrète et productive pour qu'on puisse avancer en dehors d'une rhétorique qui partirait dans tous les sens. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ça me paraît fondamental. Hein. Pourquoi ? Parce que ça fait deux fois là, que j'entends, et avec toi aussi, dire alors, le peuple, en gros, il est naturellement réactionnaire. C'est insupportable. Je ne sais pas d'où vous pensez que vous êtes. Moi, je considère que je suis totalement du peuple. Alors, qui énonce qui est le peuple pour parler comme ça ? En gros, c'est, excusez-moi, mais dire que le peuple est naturellement, alors, soit de droite, soit. Non civilisé, mais c'est tellement éculé, c'est tellement une position à droite, d'idéologie de la droite, que je suis quand même étonnée d'entendre ici. Bon, ça c'est la deuxième chose. D'où le fait que je requiers qu'on ait une définition du fascisme. Et enfin, dernière chose, c'est bien de citer. Je veux bien qu'on recourt à Foucault, mais excusez-moi, il y a une chose qui. Je pense que. Je suis étonnée de. Pas avoir entendu énoncé par vous ici, puisque vous êtes très italienne, quoi. C'est ce qu'il y a, qu'on adore l'Italie. Je suis très étonnée de vous avoir entendu parler de Foucault, de plein de choses, et pas de ce qui reste pour moi un mystère. Tu parlais de la Yougoslavie, mais pour moi, l'assassinat de Pasolini, avec ce que représente Pasolini pour la gauche, pour la révolution, pour tout ce que vous voulez, alors même qu'il était plein de contradictions, puisque j'ai appris, je ne pouvais pas le croire, qu'il était contre l'avortement. Bon, voilà, mais n'empêche que c'est une figure d'une lucidité historique et politique remarquable, comme il dit, ce qu'il dit sur ce que va devenir justement la société. Voilà. Donc je suis. Vous parlez de Pasolini et vous référez à Foucault. Attends, Foucault, on en est plein ici. Par contre, Pasolini, il est passé sous la trappe. C'est ça qui m'étonne. Et c'est pas pour rien qu'il est passé sous la trappe ici. En général, on n'en parle plus de Pasolini. On parle de Foucault. Et alors, j'attendais de vous le revive. Comment dites-vous ? Voilà. On va répondre à 4 heures. Si vous voulez, bon, je ne sais pas, on pourrait même anticiper un peu. Je ne sais pas si c'est ouvert. Ok, bon, 4 heures, c'est le droit, c'est le gars.